Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la Playroom sur l'épisode de Starbound V5 la de girafe, chers amis. Donc, on redescend sur la planète avec un beam down. Cette planète est une planète de type Frigid Ocean. Voilà. Donc, elle est principalement faite d'eau. Et à ce titre, chers amis, j'aimerais que nous descendions dans les profondeurs abyssales. Hop, littéralement, hein. Crac, on va casser la première couche de glace. On va replacer la première couche de glace. J'ai pas rangé mon bordel, j'aurais clairement dû. Hop. Ce n'est pas grave. La couche de glace, elle est ici. Crac. On va aspirer l'eau qu'il y a dans le coin parce que putain. Voilà. Et on va récupérer une chier de minerai qu'on ira ensuite raffiner, chers amis, dans un objectif très précis. Avoir un bateau. Hop. Pour cela, on va peut-être creuser un petit peu plus, essayer de trouver des zones plus intéressantes à miner. Oh, on a un biome steam en dessous. Intéressant. C'est bête. Parce que moi je vous touche très bien, hein, sans aucun problème. Hop. Donc un petit peu de minage, hein, avant de commencer l'exploration de cette planète. De manière équipée cette fois-ci du coup. Et on a quelques... On a à peu près 10 000 à se faire en fric. Ça devrait se faire assez vite, hein, malgré tout. Ne vous inquiétez pas. Hop. Crac. On va éviter tout ce qui est pierre trop dure. Ok. Là par exemple, ça me semble pas trop mal. Là aussi. Hop. Ok. Bon. Parce que faut considérer qu'on se fera 8 par minerai de ces couleurs là. 8, donc faudrait qu'on fasse... ouais. Il va falloir un peu plus que ça quand même. Hein. Soyons honnêtes. 2 secondes. Alors là, il y a un petit paquet intéressant. Avec de l'or un petit peu. Bon, ça c'est un peu moins rentable, mais bon, écoutez. On va pas se plaindre non plus. Remarque, on a 40 diamants, c'est ça? Ce qui nous fait... Ce qui nous fait beaucoup, je crois, déjà, de base. On va virer les armes secondaires, là, les trucs comme ça, hop. Crac. Parce que ça va nous faire un petit peu d'espace déjà de plus. On va descendre par là où c'est le plus facile. Apparemment ces saloperies sont nombreuses. Je vois un diamant. Solitaire donc pas intéressant. Non. Hop. Une grosse quantité ici d'Aegisalt. Hop. Crac. Ça c'est fait. Prenons ce qu'on trouve, hein, littéralement. On va pas
passer par là. C'est pas ce genre de matériau que je recherche, c'est un peu plus bas, ce qui m'intéresse. Hop. Crac. Par contre, si on prend pas tout, on va avoir de la perte. Crac. Oh, une grosse caverne en dessous. T'as peut-être espéré quelque chose. Ah, génial. Hop, merci d'être venu, tout simplement. Hop. Voilà. Hop. Crac. Reculer. Hop là. Ok. J'en entends une deuxième, donc on va pas aller par là. Crac. On est à combien? Ici, on va avoir 800. C'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme, c'est pas énorme. Crac. Deux diamants supplémentaires, une flûte. Pourquoi pas? Hop. Alors. Pas de gros minerais, gros gisements, pardon. C'est vraiment dommage. Ah, là on a un petit peu de diamant à droite. Hop. Hop. Là aussi. Mais t'es enterré dans le sol ou quoi? Hop. Ah, là il y a des choses. Là, c'est intéressant. Hop. Ok. Là aussi. Ça se passe plutôt bien. Waouh. L'endroit est particulier. Ok, il semblait pas être très... très offensif pour autant, très agressif. L'endroit est stylé. Je veux bien le reconnaître. Hop. Deux diamants supplémentaires. Raté. Tu es mauvais. Hop. Ici c'est bon. Crac. Hop. Ça aussi. Bon. Oh. Une très jolie quantité de rubium. Hop. Avec un petit peu de diamant, un petit peu d'aegisal au-dessus, c'est cool. Ça fait toujours du bien par où ça passe, comme on dit. Hop. Oh, j'ai vu un diamant restant aussi. Faudra juste que j'aille voir quelque chose sur les diamants. Hop. Oh là, on va mourir, ça continue. Là, ce serait une erreur de mourir, hein, parce que bon, on perdrait de l'argent, simplement. On perdrait des crédits.
Hop. Voilà. Hop. Un petit peu plus de rubium par là et je pense qu'on va remonter pour aller voir ce qu'on a déjà comme, comme quantité à l'heure actuelle au niveau de l'argent que ça va nous donner. Hop, on remonte. Crac. Alors. Voyons voir. Alors j'aimerais d'abord vérifier une petite chose avant. Est-ce que les diamants sont rangés là? Il y en a 25 ici, donc je peux m'utiliser les 56 qu'il y a là. Hop, ah j'ai pas utilisé le... Monte sur moi. Shame on me. Hop, ici on va mettre les 56 diamants raffinés. Ici, les 142 égisalt. Ici, les 165 rubium. Hop. Bah écoutez, j'attends que ça fonde. Et je vous montre ce que ça nous aura rapporté. On va faire ainsi de suite, comme ça, jusqu'à ce que vous puissiez avoir, entre guillemets, une idée de ce que ça va nous avoir fait comme argent. Hop, à tout de suite. Voilà, re, chers amis. Donc, ici en diamant, nous avons fait 2800 pixels. Ici, en aegisthal, nous avons fait 1704 pixels, pardon. Et en rubium, nous avons fait un peu plus de 1800. J'en profite pour mettre le violium ici. Ici, on va mettre le titane. En attendant, ça va pas être trop long. Hop, on aura fait donc 1980 ici. On va y mettre un petit peu d'or, hein, l'or qu'on avait pu choper au passage. Hop. Ici, on n'aura pas fait beaucoup de pixels avec le titane, hein, c'est pas une valeur très très sûre en bourse, comme dirait l'autre. Hop, on va mettre un petit peu d'argent. Niveau or, on n'aura pas fait beaucoup non plus. Hop, on va y mettre un petit peu de fer. Ici. N'avance pas. On a fait un tout petit peu d'argent avec le fer. Autrement dit, rien du tout, hein, presque. Pratiquement rien avec l'argent non plus. Et on va aller voir ensuite le prix ensemble, chers amis, de... Hop. Alors j'aimerais avoir fini ça avant. Je reviens tout de suite. On va avoir fini le rubium d'abord. Et on ira ensuite voir le prix du bateau à l'autre poste. A tout de suite. Voilà, re, chers amis. Donc, alors cette fois-ci, nous avions fait donc 1584 pixels en violium. Parfait. Ce qui fait un total de 18941 pixels. Vous allez voir que ça va être à 19000 tourons. À tous les coups, on va l'avoir dans le fion. Hop, on appelle l'ascenseur. On remonte. Hop, parfait. Et ici, on va à l'autre poste. Voilà, j'ai un petit peu bugué sur l'autre poste. Hop. Alors, c'est normalement ce barbu. Ah, Greenboat, il est à 25 000. Ah la vache, oui, quand même. Ok, je retiens. Est-ce que mon... Hop, ceci... Et par exemple, si je mets... Ah, ça l'a utilisé déjà, d'accord, ok. J'aime pas ne pas savoir ce que je dépense, en fait. Oula, non, surtout pas. Et hop, ici, d'accord, ok, bon bah écoute, pourquoi pas, hein. Si tu l'utilises comme ça, c'est toi qui vois, hein. Tu vas où, toi? T'es pas censé aller par là, normalement. Hop, ok. Hop, c'est parti. Eh bien écoutez, voilà, bah, il faudra qu'on refarme encore un petit peu. Ou alors je ferai peut-être ça en live, je sais pas encore. On verra bien. En tout cas les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, rejoindre le serveur. Quant à moi, je vous remercie encore une fois de votre sympathie, de votre fidélité à la chaîne. C'est toujours un plaisir de faire toutes ces vidéos pour vous. C'était Marcus Bonus, j'ai encore bugué, putain c'est chiant. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour vos aventures, salut les gens. Et hop.